me présente, je m'appelle Guillaume Sago et je suis cofondeur d'Atelier de Nîmes, une société que j'ai créée il y a depuis deux ans. Ouais. J'ai commencé ce projet il y a 2-3 ans à peu près. J'habitais avant sur Paris, j'ai fait mes études là-bas, sinon en fait je suis de Nîmes à la base. Et quand j'étais jeune, je me suis toujours posé la question pourquoi il y avait cette histoire du djinn qui n'était plus présente dans la ville. Et donc j'ai décidé de revenir ici et de travailler sur ce projet pour essayer de remettre à l'honneur le de Nîmes en fait, qui vient d'ici. On a différents points de vente en France, on en a deux en Suisse, et donc là, au mois de septembre, on va en avoir un aussi à Hong Kong et à Singapour. Je suis avec deux associés, donc j'ai un associé qui s'occupe lui de la partie commerciale, donc c'est lui qui s'occupe donc de nous trouver des clients, et donc mon troisième associé, c'est lui qui s'occupe de toute la partie communication visuelle et direction artistique. C'est-à-dire que tout ce qui va être photographie, film, logo. Et moi, je m'occupe plus de la partie donc, de la production et de la partie stylistique. Donc j'ai commencé, donc, comme je vous ai dit, il y a deux ans et demi, trois ans à peu près. En fait, je ne connaissais pas grand-chose à l'univers du djinn. J'ai toujours été passionné par le djinn, passionné aussi par la mode. J'ai commencé par chercher des fournisseurs, chercher des ateliers. C'est ce qui a été le plus difficile en fait, de trouver vraiment des ateliers et aussi des fournisseurs qui puissent fournir sur des petits métrages, des petites quantités de boutons. Et puis chemin faisant, on a essayé un petit peu d'agrandir et de finaliser vraiment le projet pour que ça devienne quelque chose de construit, que ça devienne la marque Atelier de Nîmes telle qu'elle est en fait maintenant, comme on commence en fait. Alors voilà, donc spécifiquement c'était les jeans parce que donc historiquement la ville de Nîmes est le berceau du de Nîmes, donc de la toile. Alors historiquement c'était une toile qui était faite ici aux alentours du 17e, 18e siècle et qui s'est arrêtée fin du 19e. Fin du 19e parce que aux États-Unis ils avaient repris le principe de la toile de jean. Et ici, c'était plus assez intéressant et plus assez rentable. Donc ça a fermé progressivement, surtout qu'en plus, il y a eu les guerres mondiales qui ont terminé en fait de tuer l'industrie locale. Il faut savoir que Nîmes, au XVIIe siècle, c'était la troisième ville la plus importante au niveau de l'industrie en France, derrière Paris et derrière Lyon. Peut-être vous pouvez... expliquer comment faire des jeans avec cette machine là. Alors, comment ça fonctionne? Là pour l'instant, je suis en train de poser les fils donc dans les lisses. Ça, c'est des lisses en fait qui sont en nylon et je les fais rentrer directement dans le peigne. Donc là, en fait, voilà ce qu'il faut faire, c'est enrouler les fils. Donc ça s'appelle l'ensouple. On les fait passer directement dans les lisses un par un. Donc des lisses, et ensuite avec ce petit outil on vient les ramener directement, les rechercher au travers des dents du peigne, et après en fait il va falloir venir les attacher ici pour commencer à tisser avec le bras.